Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve avec Winter pour la suite de l'aventure de nos chasseurs de démons en saison 18. Moi, personnellement, j'ai un petit peu avancé. Toi, tu as pris pratiquement 300 niveaux de parangon en plus. Tu es à 547. Moi, j'étais à, je sais plus combien, 40, je crois, un truc comme ça. Non, aussi, ouais. Moi, je crois, trentaine max. Ouais, je suis 75, j'ai un petit peu monté. Alors, moi, au niveau de mon équipement, bon, bah, j'ai chopé le maraudeur, hein, j'ai fini plus ou moins les trucs, là, des chapitres, je sais pas quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai farmé comme un porc les différentes primes pour choper l'équipe, enfin, le plan du capitaine Le Rouge qui va me servir pour mon DH tir multiple. Et puis j'ai aussi la petite amulette collée de morveuse. Sinon, après tout le reste, c'est à jeter, entre guillemets. Et puis des petites gemmes standard classiques. J'ai même pas mis de gemmes légendaires sur mon équipement parce que bah, j'ai pas beaucoup fait de failles majeures. Je crois que j'ai combien de clés? Ah, j'ai 3 clés de failles supérieures, tu vois, pour te dire. Il m'en reste 3. Ouais. J'ai dû faire au total, bah, attends, je crois que j'ai. J'ai 4 gemmes légendaires, je crois, un truc comme ça. Ouais, 4. Du coup, voilà. Ah ouais, donc 4 failles, t'as fait. J'ai fait 4 failles. Et toi, à côté de ça, voyons voir ce que t'as, voir le profil, inspecter. Ah, elle est toujours sur ton build tir rapide, là. Ouais. J'ai un peu de la nouveauté, là. J'ai gagné 2 anciens en plus. Donc, ça m'a boosté sacrément mon DPS. Et j'ai looté il n'y a pas longtemps, là, il y a moins d'une heure, un Oculus en ancien, ce que attendez impatience. Ouais, il est là. Maintenant, au lieu d'avoir 3 cercles, on va en avoir 4 maintenant. C'est bien ça, on va pouvoir s'amuser, tu vas pouvoir me PL, même si je suis quand même monté en puissance. Je ne sais même plus ce que. Qu'est-ce que j'ai validé moi? Une 22 en 4 minutes, voilà, et sans mourir, tranquille, pépère, donc. Plutôt pas mal. Moi, ce que je te propose, comme on discutait tout à l'heure, c'était faire des failles classiques. Ouais. Histoire de voir un petit peu, choper un peu l'équipement, me faire des clés de failles, et puis on verra après. Peut-être une faille majeure ou deux, on verra bien. On parle un peu moins en ce début de vidéo, parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup discuté, et que et du coup, il n'y avait pas eu beaucoup de gameplay. Donc, ouais, tout à fait. Là voilà, on parle moins, on agit plus. Il y a des cercles partout. Partout. Ah là là, j'ai des lags, c'est énervant. Par contre, moi, j'ai looté le. Comment ça s'appelle? Le désacralisé au moins 4 ou 5 fois. Je l'ai en 4 ou 5 exemplaires. Bah, bah, moi, j'ai rien eu du tout. Bon, en même temps, j'ai pas non plus farmé. J'ai pas autant joué, du coup. Par contre, j'aime bien, c'est que. Où est-ce qu'il est, lui? Il est où l'élite? Ici. Hop là. C'est que avec donc c'est arrosé, c'est ça, elle s'appelle comme ça l'arbalète là. J'ai oui, arrosé ouais. Des vents. Non, non, c'est MS. J'ai oublié son nom. Oh merde, je suis mort comme une merde. Ah, c'est l'arrosé, hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est l'arrosé. Et l'ensemble Capitaine Le Rouge, j'ai une réduction de cooldown sur la Vendetta, j'ai pratiquement perma quoi. Bon là, comme par hasard, je l'avais pas enclenché, du coup je suis mort comme une merde. Waouh, une épée légendaire, trop bien, ça va vachement me servir. Par contre, je visualise un petit peu le gameplay donc de mon futur build. Pour sortir le DPS optimisé, va falloir se lever tôt, hein, parce qu'en termes de gameplay, ça a l'air assez... Ouais, ben... ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne parce que j'ai pas trop bien compris où est le DPS dans ce build en fait. Bah en fait le DPS il est déjà présent dans la réduction de cooldown en fait.
Tu as le truc du capitaine Le Rouge qui fait. Attends, je regarde où je vais quand même. Qui fait les dégâts infligés. Augmente les dégâts infligés d'un montant égal à votre pourcentage de réduction de temps de recharge. Comme tu en as sur la rosée, comme tu en as sur l'arc pour le tir multiple, déjà, ça commence à faire pas mal. La rosée, je crois que c'est 60%, et l'arc, c'est peut-être un truc genre 50%, tout dans ce genre-là. Donc ça te fait déjà quelque chose comme 100% de dégâts supplémentaires. D'accord. Ce qui est clairement pas négligeable. Plus que tu vas mettre au niveau du casque, les 12%, enfin, après c'est calculé différemment, mais... grosso modo, le set de, du pirate là, de barbe rouge là, tu peux choper facile 150 à 200% de dégâts supplémentaires. Ouais. Ensuite, tu as la. Et je crois aussi que ça améliore ta rebut aussi, je crois. Oui, aussi, mais sur la réduction de coûts en ressources. Voilà. Et ensuite, après, tu as l'amulette, la morveuse. Oui. Qui augmente les dégâts de je sais pas combien de pourcents si tu prends pas de dégâts. Voilà, les dégâts augmentés sont augmentés de 100%. Donc, si tu cumules le bonus de l'amulette plus celui de. Putain, mais où la sortie ici j'étais en train de poser la question. De. Comment dire Du petit pirate, la vache. J'ai plus de tarif. Tu te retrouves aux alentours de. Allez. 300-400% de dégâts supplémentaires. Plus après, bah, les bonus liés au set de tirs multiples. Ouais. Parce que c'est ça aussi. C'est tu cumules les deux, donc en fait tu te retrouves avec un tir multiple qui fait des dégâts monstrueux. Et c'est de là que vient le dégât en fait. D'après ce que j'ai compris, pour être vraiment petit au niveau dégâts, il faut que tu te fasses pas toucher en fait. C'est ça. Parce que la morveuse, là, elle t'enlève 50% de dégâts, il me semble. C'est... Elle augmente les dégâts que je subis de 50% et elle augmente mon DPS de 100%. Voilà. Et donc du coup, si je veux profiter du DPS optimum de mon perso, et bah du coup, il faut pas que je me fasse toucher. C'est pour ça que je dis que ça va être... Putain, j'ai pris. T'arrives. Ah, d'accord. Ah bah ils m'ont envoyé deux boules, deux boules de feu là. J'ai implosé direct. J'ai pas la robustesse pour aller ici. Moi. Mais voilà. Et dans l'idée c'est ça, c'est le gameplay, c'est tir multiple, toujours avec le maximum de discipline pour justement infliger un maximum de dégâts, et après tu prends tous les coefficients multiplicateurs dans tous les sens, et ça donne un truc complètement pété, quoi. C'est clair. Avec des dégâts insane. Puis je te parle même pas des petits cercles violets. Hein, voilà, pareil, par contre, t'as vu comment ça s'appelle? Parce que c'est difficile à voir au début, mais le cercle de l'Oculus en tant que tel, tu as vu, t'avais le jaune là à côté de toi tout à l'heure. Eh ben l'Oculus, lui, il est doré, plus vers le doré. Le doré. En fait. Alors après, quand ils sont comme ça, là, tu sais pas ce que t'as, là. Ah, tout à fait. Mais tu sais que c'est des dégâts, au moins. Parce que, voilà, là, c'est un doré, là. Là, celui-là, ouais, c'est doré. Ouais, celui-là, ouais. Je le reconnais. Par contre, il n'est pas indiqué comme les autres cercles dans ta barre de... J'ai toujours pas mémorisé qui fait quoi, déjà. Juste le violet, c'est le DPS. Après, le reste, j'ai toujours pas mémorisé, hein. Je crois que le bleu, c'est la réduction de coûts en ressources. Même moi, je me souviens plus. temps de recharge, le bleu. Le bleu, c'est ouais, de réduction de coûts. Ah non, c'est temps de recharge. Ouais, qui, c'est pas... Et donc, tu vois, par exemple, le truc tout bête, mais je sais pas, à voir, mais est-ce que le fait de réduire, par exemple, le temps de recharge énormément, est-ce que c'est pris en compte dans le set de comment dire du pirate là, et est-ce que ça fait des dégâts supplémentaires, parce que ça serait complètement pété, hein. Là on voit bien la différence entre les cercles. T'as un jaune vert et un jaune. Mais si ouais, c'est... En fait je me posais la question pendant que tu parlais de ton set, effectivement, est-ce que ça rajoute du temps de recharge. Si ça rajoute, c'est monstrueux, hein.
le gain en puissance, il est juste énorme. T'imagines, je sais pas combien il y a de réduction de cooldown. Que c'est pas affiché. Putain, je suis encore mort. Mais je sais pas, imaginons que ça, je sais pas, la réduction de cooldown est soit de 30 ou 40 ou 60%. Ouais. Bah ça fait 60% de dégâts supplémentaires si c'est pris en compte. Imagine ça. Et what? Plus... Et t'as mouru? Putain, il m'a donné un coup de langue, je suis mort direct quoi. Qu'est-ce que cette arnaque? Eh, tout à l'heure je tenais mieux que ça, ok. Hein? Alors. Ah mais là on est à deux, c'est pour ça aussi. Ouais, mais t'as pas plus fort, ils ont plus de points de vie, mais t'as pas plus fort. Hein. Ah ouais? Non. Quel con. Putain, j'ai failli foncer dans le. Ah, mais il y a plein d'élites là en fait. Ah merde, putain, ah! J'ai vu une explosion et je me suis dit. Et je suis arrivé dedans, j'ai fait. Ah merde! Il est où le. Alors? Je sais pas, moi, mes flèches. Elles vont là où. Là où elles veulent aller. Par contre, t'as vu l'Oculus, il pop assez fréquemment, c'est ça qui est bien par contre. Donc t'as toujours le moyen d'augmenter ton DPS pendant la partie, quoi. Ouais, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas mettre ça. Bon, toujours pas grand-chose de tomber, hein. Ouais, j'ai quelques légendaires, je vais regarder s'il y a des choses intéressantes pour toi. Hop, hop, hop. Un double élite, il y en a un derrière. Bon, on va sortir de la faille. Ah, si, à ce genre de faille, il y a énormément d'élites souvent. Ouais, mais il n'y a rien qui tombe là. Donc, j'ai eu l'épée légendaire de tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai eu. Autant dire que c'était nul. Hop, ça dégage. En plus, c'est la fulminante en ancien. Waouh! Ouais, le truc qu'on veut absolument avoir. Ça. Ouais, bah même je l'avais en primordial carrément. Alors, j'ai eu moi. Une arbalète de points, une arbalète normale. Alors, tu vas me dire si ça t'intéresse. Hop, je te les affiche. Alors, la cracheuse, non. Niveau DPS, c'est bon. Non, c'est bon. Ça ira. Ça ira. Ça ira, ça ira. Hop, on ferme la faille. Bon, c'est bien, moi je continue à farmer un peu les gemmes. Est-ce que j'ai monté déjà tous les trucs au max là? Former lui, il est au max. Ça, à ce côté. Passionné par les périples que tu sais même pas si t'as fini de faire les trucs de base quoi. Non, oui non mais en fait d'habitude je le fais parce que je fais la faille probatoire et après je me connecte, enfin je crée mon perso, je fais la faille probatoire et je me connecte, mais on l'a pas fait du coup la dernière fois, donc je sais plus, perturbé dans mes habitudes. Du coup je vérifie parce que bon on sait jamais, hein, t'es un oubli à la con et Mais là, la faille probatoire de cette semaine, c'est barbare. C'est barbare. Ouais, c'est le coup sismique, je crois, avec le set record, tu sais. Donc, pas difficile à faire. T'arrives, hein, le temps que je me... Ouais, pour l'instant, je gesticule, je vivote avec des élites qui balancent des trucs dans partout, là. C'est un autre élite qui arrive derrière. Oh putain, c'est bon. Ah, c'est où je pouvais pas. Alors là, entre la foudre, les éclairs. Il y avait tout. Là, j'ai tout. Putain, oh là là. Oh la plaie. Non, laissez-moi tranquille. Je cours partout. Hein, c'est... Oh le poison. Oh là 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 là. De la vie, de la vie. Double élite. C'est marrant ou pas là? Ah, j'ai entendu le bruit de légendaire.
Moi, j'ai entendu le bruit d'un jaune qui tombe par terre. Je te jure, j'ai. Ah, là, j'ai. Bah, tiens, j'ai la cracheuse que t'avais tout à l'heure. Je viens de la choper là. On va faire un test avec l'Oculus là pour voir si c'est efficace. Ça peut être efficace quand même. Bon, le seul problème c'est que mon Oculus il est pas. Je l'ai pas droppé au maximum quoi. C'est 71% seulement. Ouais, alors c'est, que tu... c'est déjà ça. Hein. C'est toujours mieux que rien. Ah, encore une épée légendaire. Ah, très bien, mais je suis un chasseur de démons, je ne suis point un barbare, merci de me donner des objets correspondant à ma classe. Non, parce que bientôt ils vont me donner le 7 record, tu vois, donc... Attends, j'ai pris tellement cher d'un coup, là. Voilà, j'ai 3 cercles d'un coup, moi, là. Putain, moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai explosé. J'ai vu ça, ouais. Faut que j'aille réparer parce que je suis mort trop de fois là. J'ai pris trop de dégâts. Je suis jaune là pour te dire à quel point. J'ai peut-être pas réparé tout à l'heure aussi. Peut-être 57 000. Ah, par contre j'ai un truc intéressant. C'est l'épée de foudre là. Ouais. J'oublie. Putain. Pourquoi quand j'avance, il y a des élites ? Formule, je t'affiche les légendaires qui tombent et tu dis si ça t'intéresse ou pas. Bah, pour le moment, je suis plus préoccupé par ma survie. T'as un peu peur de mourir là. Bah, on n'est pas en hardcore donc ça va, mais sinon je pense que voilà, j'aurais déjà recommencé le jeu 3 fois. T'as déjà essayé de jouer. Ah ouais, non, mais avec ta connexion, il y a des élites partout, c'est un truc de fou. Avant, j'avais une période où je jouais en hardcore. Ouais. Donc, je suis vite revenu parce qu'avec ma connexion. Ouais, c'est ce que. Tiens, une amulette, hop. J'étais trop dégoûté au bout d'un moment. Ah bah, moi, j'étais bien dégoûté quand. J'ai les trucs pour les pylônes. Hein, Ah, tu l'as aussi, d'accord. Ça, je les avais pas vus, Je l'avais pas vu, t'es caché derrière l'arbre. En fait, quand je suis passé, ils ont pop plus ou moins au niveau des branches, du coup je les ai pas vus. Encore un élite. Putain, mais y a que ça. Hein. Aïe, ils sont là. Hop. Hop. Eh ben, il y en a des cercles là. Et puis plus tu vas toucher. Alors, je sais pas si c'est lié à l'activation de l'attaque. Ah, il y a un gobelin. Je sais pas si c'est lié à l'activation de l'attaque ou si c'est lié aux ennemis qui sont touchés et qui proc justement les cercles. Je sais pas à quoi c'est lié précisément. Je pense que c'est juste parce que t'attaques quoi, quelque chose comme ça. Ouais, mais ça marche pas sur les objets, j'allais dire, mais j'ai un doute. Ah oui, pourquoi j'avais vu que ça. Il suffisait de tirer par exemple sur une barrique et ça déclenchait le. Ouais, truc, je... Ah putain, il n'y a plus de bouclier. Putain, elle est où la sortie? Elle doit être là-bas. Là, je chope rien du tout. Hein. Putain, c'est la poisse là. Encore un élite. Putain, décidément. Il n'y a pas de verre, tout ça. Non, non, c'est... Elle est à la sortie. Je te dis, il me file des épées, bien après il va me filer. Putain, encore un élite. Oh là, je vais crever en plus, je suis tout seul. T'as des temps de chargement. Non, ça va, je m'en sors avec celui-là. Je m'en suis plutôt sorti, ça va. Hop. T'as quand même 4 pièces. Ouais, mais j'ai 4 pièces, mais une robustesse de chips. J'ai combien? J'ai 448 000 de dégâts pour 7 millions de robustesse. Ajoute un élite, allez. Bon, ça me fait des souffles, c'est bien. Ah ouais. J'aimerais bien avoir... Enfin, je vais être obligé de crafter des légendaires, quoi. Tellement c'est la dèche. Tellement c'est la loose. Hop.
Ah, une ceinture. Bon, du coup, voilà, on va sortir. Hein. Hop. Non, vu que je meurs trop, il me dit non. Tu meurs trop, on ne te donne pas de légendaire. Alors, voyons voir ça. Ah, bah, tiens, j'ai la laisse de Jordan aussi, c'est bien. Bah, putain, mon templier va être équipé plus rapidement que moi, quoi. Donc, la lame tonnerre et la laisse de Jordan. Donc, il manque plus. Ah, j'ai la pluie battante en ancien. Ça t'intéresse? C'est quoi déjà ce truc? C'est pour la pluie de flèche, là, je sais pas quoi, là. Mais je sais pas si t'as une ceinture en ancien, du coup, tu vois ce que ça donne, si ça te va ou pas. Bon, je pense pas que ça me servira vraiment, quoi. Bah, après, c'est toujours juste pour le bonus, si jamais les stats sont meilleurs. Et. Non, c'est bon. Faisant de la compo, va. C'est ça. Allez. Salut. Alors, voyons voir que dalle. Est-ce qu'elle va me donner mon carquois? Alors, j'ai les points de sainte, mais je joue pas en pâleur. Et non. Bon, bah c'est dommage. On se fait une petite. Vas-y. Les objets que je t'ai affichés là, que j'ai buté. Ah, j'ai pas regardé. Au niveau de l'arme, peut-être qu'elle est un peu meilleure, peut-être. C'était quoi ou ça? Vas-y, refais. Alors, attends. Parce que j'ai pas regardé. En fait, j'étais concentré à survivre. Les ailes de la. Puis. Non, non. Non? Non. C'est. Non, 27% de DPS en moins, sachant que. Bah, j'ai mis juste les pourcentages de critique, enfin la une gemme classique standard, ça vaut pas le coup. On se fait une petite faille majeure, du coup bah 30. Ok. Par contre, c'est toi qui va prendre le devant parce que je vais crever sans fin sinon en boucle. Ça correspond à quel tourment c'est à peu près? Hop. Allez, donc il y a un élite à l'entrée, c'est bien. Je bouge pas. Je t'attends. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Pas que j'avais déco là, c'est bon. Non. J'arrive, hein. Ah, attends, je me fais attaquer, je suis resté trop. 30, c'est rien du tout là pour moi là. Ça correspond à ce qu'on vient de faire plus ou moins en faille classique et je meurs déjà beaucoup trop. C'est un écart assez monstrueux entre les failles supérieures et les failles normales quand même. Hein. Je trouve les failles supérieures plus agréables. En général. Je sais pas toi, mais moi je préfère les failles. S'ils pouvaient faire le même système entre failles majeures quelque part, enfin même système, les mêmes failles entre failles majeures et failles classiques, ça serait génial. Parce que ça se ressemble pas du tout. Hein. Ah non. Et je préfère les failles majeures. Je pars. Par contre, moi, il y a une chose que je vais tenter de faire, mais c'est un peu risqué. Ça va être mystère et boule de gomme. C'est que. T'as vu l'arme qui double le nombre de mobs que transpercent tes projectiles. Ouais. Ça, éventuellement, ça augmenterait encore plus ma DPS, mais ça impliquerait que je renonce à la rosée, l'arme, tu sais, qui descend la vendetta. Dans mon cube. Mais c'est mort. Pourquoi tu veux utiliser cette merde? Ben, augmenter ma DPS, mais je me dis que peut-être. Pourquoi ça augmenterait ta DPS, le fait que ça t'apporte juste le fait de transport de. Ben, disons que les grenades là que je lance, elles toucheraient deux fois plus de bonhommes, d'accord?
Et du coup, ça, parce que mon build est quand même basé sur les dégâts de zone, tu vois. Oui, mais ta grenade là, en fait, elle explose au sol. Vas-y, lance ton, juste fais un truc. Oui, voilà, tu vois, ça là. Voilà. Ça explose au sol. On est bien d'accord. Voilà. Ça n'inflige pas de dégâts quand la grenade touche le monstre. Enfin, je veux dire, la grenade, dans la logique des choses, hein, la grenade, elle va toucher le monstre, elle va exploser. Oui. C'est pas comme un carreau de flèche qui va transpercer le monstre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la version précédente, avant qu'il y ait les cercles et les trucs comme ça, il y avait comment dire, ce genre de build déjà qui existait, et ils utilisaient cette arme aussi, Ouais, hein. mais t'es sûr que c'est ce sort-là? Ah, je Parce que pense. pour moi, c'est des grenades et pour moi, c'est pas un projectile. En fait, c'est Peut-être. la description était Ah, ça me pense passer, je suis pas sûr qu'ils aient bien traduit en fait. Bah, Oh putain, je vais mourir. T'es où? Non, c'est bon. J'ai eu le réflexe potion. Bah, je sais pas si c'est un souci de traduction, mais pour moi, en fait, c'est traverse plus de cibles. Enfin, tu sais, tu vois, une cible supplémentaire, ou j'ai plus le terme exact. Donc, si on prend purement et simplement la Cette arme. traduction. Au début, j'utilisais cette arme et ça, effectivement, ça avait augmenté drastiquement mon DPS quand même. Ouais, je suis pas convaincu par ça. Après, c'est le vrai problème parce que le vrai problème, c'est que ça m'oblige à renoncer à l'arroser dans le cube. Ah Alors, est-ce ouais. que c'est possible de faire ça C'est chaud, hein. dans la mesure où peut-être même les cercles ne suffiront pas pour que j'aie Vendetta perma, tu vois? Ah bah tu peux, je pense que tu peux oublier un 65% de réduction de cooldown, je pense que tu peux. Tu Ben, peux. je me dis que si je mets de la réduction de cooldown sur l'arme et le carquois, Tu vas peut-être le perdre, cercle, on bah. l'aurait. Ouais, bah non, même pas ça. Le problème, c'est risqué, quoi. C'est risqué quand même. Bah, c'est surtout que tu À haut dépends. niveau, si j'ai pas la Vendetta, j'ai peur. Bah, c'est ça. Non, pour moi, c'est pas viable. En fait, pour moi, le principe, c'est de réaliser en fait un build qui soit fonctionnel de manière autonome. Donc, du coup, que t'aies pas besoin d'attendre un bonus extérieur pour que Ah ça oui. soit optimal en fait. Il faut que déjà de base tu sois optimal et que les bonus qui sont apportés à l'extérieur t'apportent un plus et pas un complément, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup le fait d'avoir perma vendetta, et ben, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, la réduction de cooldown te servira pas pour la Vendetta. Mais ça, c'est pas grave. Mais tu pourras toujours profiter de la réduction de coût et surtout du DPS. Parce que c'est surtout ça que tu vas utiliser. Moi, j'avais envie quand même de tester parce que peut-être, je dis bien peut-être, hein, j'en ai aucune certitude. Hein, Putain, promesse rompue, quoi. peut-être le fait de mettre du cooldown dans l'arme et le carquois, peut-être que ça sera suffisant. Peut-être, hein, je dis. Hein. Donc j'ai bien envie quand même d'essayer. Bon, Bah. je ne sacrifierai pas mon matos, hein, ça c'est sûr. Mais je ferai une tentative à côté. Essaye, ouais. Et pourquoi je. Je sais que ça va être difficile quand même. Essaye, mais je suis clairement pas convaincu de l'efficacité de ce build-là. Pas évident de looter juste les caractéristiques qu'il faut, parce que ça Voilà. voudrait dire une arme avec le cooldown et tout, tu vois. On est d'accord. On est Ça peut d'accord. prendre du temps. Je ne sacrifierai pas du temps pour ça, c'est sûr. Qu'est-ce Bon, que on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Ça fait déjà à peu près une petite. On n'est pas loin de la demi-heure pour cette petite vidéo. C'est passé vite. On a fait quoi? Deux, trois failles. Alors, le doigté de Natalia. Non, ça, j'en veux pas. Base de forteresse. Non. Et pente antique. Non plus. C'est bon. Donc ouais, ça fait une petite demi-heure qu'on a tourné. On a fait quoi? Deux, trois failles classiques et une faille majeure. Ça passe vite, hein.
Ça c'est passe clair, j'ai rien vu passer. Mais on voit pas le temps passer, c'est on discute, on joue, etc. On voit pas le temps passer et du coup, bah, j'espère que c'est pareil pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui verront pas le temps passer et du coup, bah, pourquoi pas faire des petits épisodes plus longs. On verra bien par la suite comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu un petit peu nos personnages, nos avancées. Toi, toujours avec ton build. Ton petit build assez particulier, assez unique, et moi le mien qui prend forme. Pour le moment il y a du maraudeur, mais ça sera du tir multiple désacralisé par la suite. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à visiter mon petit lien Utip. Sur ce, bah moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao YouTube.